Il se passe quoi? Il n'y a qu'une assistante à l'accueil. Elle m'a dit que je pourrais peut-être te trouver là. Le cabinet des ménages. Les affaires marchent bien. On vient sur Paris. T'aurais pu appeler. On sera retrouvé quelque part, pas ici au milieu de tout ça. Dans un café, par exemple. Bah oui, ça se fait. Les gens prennent le temps de boire un truc, de se parler, de se raconter ce qui s'est passé depuis ces années passées. Cinq. Pardon? 5 années passées. Je les ai pas vus passer. Tu m'en veux d'être là? Juste surpris, je t'assure. Ok, si je suis là, c'est pour des raisons professionnelles. Bon. Bah, tu peux rentrer, tu sais. C'est le bordel, mais on reçoit rarement les clients debout. Et bon, ça a l'air sérieux, ton truc. Je divorce. Je veux que tu t'occupes de mon dossier. Marié? Depuis quand? 2 ans. Vieux, con, méchant, riche. Il y a 2 mois, il s'est tapé 2 petites jeunes dans un hôtel. J'ai les preuves, ses aveux. Il m'a dit qu'il voulait s'envoyer en l'air avant de crever. Moi, ça me dérange pas. Mais je préfère m'en aller maintenant. Il y a un paquet d'avocats qui peuvent s'occuper de ça. C'est toi que j'aurais dû épouser. Je veux qu'on se remette ensemble. Écoute, je pense que ça serait bien que tu t'en ailles maintenant. Pour ton divorce, j'en parlerai à mes associés. Il y en a sûrement un qui voudra bien s'occuper de ça. C'est toi ou personne. Je prends ta nouvelle adresse à l'accueil et je repasse la semaine prochaine.